On connaît qui à Berwick upon Tweed? On ne connaît personne. C'est une lettre de Queenie Ency. Elle est en soins palliatifs. C'est pour une amie. Elle a un cancer. Ma tante avait un cancer. Il faut y croire. Ayez la foi. Votre tante a fini par aller mieux parce que vous y avez cru? Ça lui a donné de l'espoir. J'aimerais laisser un message pour Queenie Ency. Dites-lui que Harold Fry va venir la voir. Harold? Je vais marcher et elle doit continuer à vivre. Tu as bu, Harold? Quand tu marches, c'est pour aller à ta voiture. Je dois le faire, Maureen. Si c'est ce que tu dois faire, ça n'est jamais qu'un petit trajet de 800 km. Tu as vu les nouvelles? On ne parle que de toi. Les gens sont très gentils. J'ai une chambre d'amis, vous pouvez rester ici cette nuit. Merci. Monsieur Fry! Moi aussi, je vais sauver Queenie. Mon mari ne doit pas faire cette marche. Il traverse toute l'Angleterre à pied. Il pourrait causer un accident. Ce qu'il fait, c'est beau, en fait. N'importe qui peut faire ce que je fais. Je veux que tu rentres à la maison. Vous devez croire en lui, Maureen. J'ai passé ma vie entière à ne rien faire. Et là, j'agis, tu comprends? C'est peut-être ça dont le monde a besoin. Un peu moins de raison et un peu plus de foi.